Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Hydrolène et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur IRLC où je vais vous présenter la méga mise à jour du jeu. La mise à jour, bien sûr, du Summer Update 2022 de IRLC. Aujourd'hui, les amis, je me suis équipé de mon volant Ori Racing Well. Je l'ai reçu il y a pas longtemps et vraiment il est extraordinaire. Du coup aujourd'hui je vais conduire au volant. Faudra que vous me dites je sais plus trop. Faudra que vous me mettiez dans les commentaires si je conduis un peu mieux. Hein. N'oubliez pas les amis, avant que ça commence, de lâcher votre plus gros like, de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on va commencer dès maintenant. Du coup, je vais vous montrer un petit aperçu rapide. Ah oui, et j'ai mis un petit peu de musique au fond, en fond de la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Hop, juste deux petites secondes, les amis, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Bon, ça bug un petit peu. On va baisser un peu la qualité graphique. Comme ça. Si on se met comme ça. C'est bon, là ? Nickel, ça bug plus. On va tout de suite du coup aller chercher une voiture. Bon là du coup je conduis au j'avance au clavier. Hop, je vais vous montrer du coup ma voiture préférée, c'est bien sûr celle-ci. Véhicule endommagé. Ah ouais, bon on va peut-être en prendre une autre. Ouais non, c'est bon, allez. Voilà, du coup là les amis, je conduis au clavier. Voilà. Et je vais juste aller réparer la voiture, les amis. On va aller vite fait réparer la voiture. Voilà. Bon, je vous mets des petits aperçus quand même. Hein. Voilà. On va... Oh là là, pourquoi je suis dans le vide? Non, mais pourquoi je suis... Je ne comprends pas. Bon, comme je suis en vidéo, ça bug un peu. Normalement, le jeu est plus fluide. Voilà. Je vais mettre la qualité en automatique. Peut-être ça buggera moins. Ok, bon. Ouais, ça bug un peu. Mais bon, c'est pas trop grave. Hop, on va aller juste ici. Et je vais vous montrer du coup un petit aperçu de la map. Regardez, hop, j'appuie sur tab. Et déjà, vous pouvez voir l'immensité de la map comparée à avant. Du coup, ici, vous avez toujours le housing setup pour les connaisseurs. En gros, l'endroit où il y a les maisons. Ici, vous avez encore un endroit où il y a des maisons avec un petit magasin. Mais on peut pas y aller, c'est un magasin factice. Ici, le poste du shérif qui est passé de là à là-bas. Ici, vous avez un petit village avec trois petits ATM quand j'essayais de braquer, de devenir cambrioleur. Ici, du coup, ça a totalement changé. Vous avez toujours le poste de police. Vous pouvez encore reconnaître un petit peu, mais c'est assez dur. Maintenant, vous avez une très grande autoroute. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Une très grande autoroute ici. Ici, vous avez toujours le petit tunnel. Et là, la route est gigantesque. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir directement ça. Voilà. Ah, nickel. Là, ça ne bug plus. Hop. Est-ce que j'ai les clignotants avec les palettes? Non, je les ai pas. Non, j'ai pas mes clignotants sur les touches. Bon, du coup, le jeu, les amis, n'est pas très beau. Comme je suis en automatique, ça prend un peu de temps à charger. Ouais, quand j'ai la qualité à fond, c'est le jeu est plus propre. Bah, attendez, je vais remonter quand même la qualité graphique parce que c'est quand même affreux là. Oula, stop, non stop. Ok, c'est bon. Voilà, du coup là comme on n'est plus dans la ville, bah ça bug déjà moins. Voilà, regardez, vraiment c'est une beauté ici. La map de IRLC est juste extraordinaire. Hop, surtout avec ce magnifique Ford Bronco. Bon, qu'ils ont renommé Falcon Rampage pour ceux qui veulent l'acheter sur le jeu. Voilà, du coup là-bas on avait River City. Là on a les amis un petit parc, je sais pas si vous l'aurez vu. Sur la petite map tout à l'heure. Ici du coup on a un petit parc bien sympathique. Hop, on va essayer d'y aller un peu, mais je crois que c'est assez long de monter tout là-haut. Voilà. Du coup vous pouvez monter hein, tranquillement avec votre voiture. Allez,
Bon, l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle roule bien correctement. Bon, elle saute un peu. Ça, je vous l'accorde. Ah, j'ai oublié de remettre de l'essence. On est dans la réserve. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop grave. Allez, les amis, c'est parti, on y va. On est arrivé du coup au premier point de repère. Ici, vraiment, à un endroit extraordinaire. Bon, comme je suis pas encore allé par là-bas, la map n'aura pas chargé. Regardez, il reste des petits trous. Mais quand je regarde là-bas, regardez, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, sachant que je sais que mon ordinateur réussit à enregistrer en 1080p pour ceux qui ont un appareil assez puissant pour la regarder en 1080p. Du coup, ceux qui ont un appareil assez puissant, je vous conseille de mettre en 1080p pour pouvoir la regarder parce que voilà, vraiment, c'est une vue magnifique. Et les amis, aussi, si vous pouvez, je vais vous demander si vous avez tous Discord, enfin, s'il y a des personnes qui ont Discord, s'il vous plaît, rejoignez mon serveur Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Je me suis mis à l'arrière et pas à l'avant. Bien joué, Drolène. Allez, et c'est parti! On va du coup redescendre en prenant un chemin un peu plus rapide. C'est-à-dire, on va tout dégringoler. Wouhou! Ouais, bon, je pensais que ça allait être un peu mieux que ça, mais bon. Allez, c'est parti. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mes pédales qui font clac-clac. Enfin, que quand j'appuie, elles rebondissent sur le sol. Oh là là, mais. Ah, mais cette voiture, c'est incroyable. Elle se retourne dans tous les sens. Allez, c'est parti. Du coup, on va tourner ici pour aller. Je crois que c'est Seaside. Non, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle ici. C'est marqué sur l'autoroute, mais là, du coup, comme on n'est pas sur l'autoroute, c'est pas marqué. Ah oui, et du coup, comme on retourne ici, ça commence à bugger un peu. Voilà, du coup, c'est quand même très très sympa par ici. Ici, vous avez un petit parking, là, un petit resto Rick et Jones, si vous l'avez vu. Bon, c'est beaucoup des bâtiments dans lesquels on ne peut pas rentrer. Par contre, je savais même pas que dans celui-ci, on pouvait rentrer. Attendez, attendez. C'est quoi ce truc? Oh! Alors là, wow, je savais même pas que c'était possible d'avoir ça. Regardez, moi j'ai déjà le t-shirt rouge IRLC. Ah, il est sympa lui, hein. J'aime bien celui-ci. Police Roleplay Community, PRC. Eh, c'est sympathique, hein. Vraiment, c'est mon jeu préféré, ce jeu-là. C'est incroyable. Ça, c'est une tenue de pompier. Eh, c'est vraiment super sympa ce truc, hein. On va aller par contre direction la station essence. Parce que, bah, si vous voyez ma jauge à essence, bah voilà quoi, on va tomber en panne. Et je suis allé du mauvais côté. Encore bravo Hydro. En plus, ça rime. Bravo Hydro. Et j'ai pris la mauvaise route. Et voilà, nickel. On va remettre un peu d'essence, vite fait. Assez long, hein. Assez très très long. Du coup, pendant ce temps-là, les amis, je vais vous parler un peu de mon serveur Discord. Si vous entendez un peu la musique en fond, d'ailleurs, elle vient de mon serveur Discord grâce à un bot qui s'appelle Probot. Où avec, on peut mettre de la musique. Du coup, il y a un salon de musique où vous pouvez écouter votre musique préférée avec toutes les autres personnes du serveur. Du coup, voilà, et vous pouvez parler avec le reste de ma petite communauté qui est déjà dessus. Je crois qu'on est 27, 27 personnes, et il y a deux bots, ProBot et DraftBot. Pour les connaisseurs, ils seront. Voilà, très bien. C'est reparti, on y va, on n'a plus à se soucier de l'essence. Du coup, maintenant qu'on a découvert ce petit endroit, on va retourner vite fait sur l'autoroute. Hop, là on est sur la Maple Street. Highway 55. Highway 55 North. Bon, avec mon anglais beautiful. Toujours, toujours. Et ici, c'était bien. Ah, c'était Downtown Springfield. Springfield, je crois. Si j'ai bien vu. Il me semble en plus que à certaines heures. Non, c'est pas par là qu'il fallait tourner. Hydro qui roule à contresens.
Du coup, ici, vous avez un petit lac, très très sympa. Regardez. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit en fond, je suis désolée. Normalement, il y a la musique qui camoufle. Je suis pas sûre qu'on puisse la voir. Non, je crois en fait l'événement et enfin j'ai raté l'événement. Il y a un événement qui faisait que bah il y avait des feux d'artifice. Mais je crois que j'ai, enfin je l'avais vu une fois. Mais j'ai fait ma vidéo trop tard. Désolée. Hop, ici vous avez toujours plein de petites maisons, sachant que les amis, entre ma dernière vidéo et celle de maintenant, bah il y a toutes les maisons qui ont changé. Vraiment, ici du coup vous avez le poste de shérif comme je l'avais dit tout à l'heure. Ah, il y a un gars en panne. Ah bah non, je suis encore à contresens. Je prends toutes les routes à contresens, décidément. Allez, c'est parti. On va continuer pour se retrouver sur la highway. Je sais plus. Highway Avenue. Je sais plus comment elle s'appelle. On va aller directement là-bas. Bon, c'est dommage que les clignotants ne marchent pas sur mon volant. River City. Et c'est là. Riverside Drive. J'étais totalement à côté. Hop. Sachant que les amis aussi, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai une petite plaque d'immatriculation personnalisée. Regardez, avec marqué Police Week 2022. C'est... ils mettent souvent des trucs comme ça, des events. Très très sympa. Pour gagner... là par exemple, je m'en souviens, j'avais gagné 10 000 euros in-game. Et une plaque personnalisée. Du coup, c'est vraiment sympa. Ici, vous avez toujours le Tool Store, juste ici. Et ensuite, on va aller un peu dans la ville. Sauf que du coup, ça va bugger un petit peu. Ok, ici, toujours, il y a le shop de Waypoint. Ici, il y a, la caserne de pompiers qui a totalement changé, littéralement. Je vous invite à aller regarder mon ancienne vidéo. Vous allez voir que la caserne de pompiers a changé, mais vraiment totalement, regardez, elle est méconnaissable. Là-bas, vous avez toujours la petite banque. Ici, un petit parc très sympathique avec un truc pour les food trucks, une petite fontaine, un petit parking là-bas. C'est très très sympa. Voilà. J'aime beaucoup conduire au volant. Je trouve que je conduis beaucoup mieux avec. Bon, à part que j'ai pas les clignotants. Ici, vous avez le Tree Guys, du coup, le petit fast-food. Ici, avant, bah, du coup, le truc de limousine était là. Sauf que, bah, comme il y a le parc, maintenant, il a changé de côté. Maintenant, il est ici. Il y a toujours, bah, ici, le petit parking garage. Enfin, le parking garage, ouais. Ici, toujours, le petit studio de la télé. Et, bah, je crois qu'on a fait le tour des bâtiments principaux qui sont utiles. Ah oui, et bon, du coup, je crée un peu les feux rouges, hein. C'est pas trop trop grave. Ici, vous avez directement des trucs qui sont derrière le spawn. Il y avait pas ça avant. Maintenant, il y a des petits bâtiments qui sont derrière le spawn. Il y a la dot ici, sans raison. D'accord. Ici, du coup, vous avez plein de petits bâtiments très sympas. Il y a beaucoup plus de choses. Maintenant, ils ont aussi ajouté un métier des boueurs. Bon, les feux rouges... Je vais devenir recherché si je continue à griller des feux rouges. Sans blague. Du coup, regardez si je vais ici, dans Roleplay Job. Vous avez Garbage Collector. En gros, c'est les éboueurs, Bank Worker, restaurant, taxi et limousine, la télé, station essence, fermier, hôpital et la poste. Mais hôpital, la poste, station essence, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo d'IRSI, je vous propose d'aller la voir. Oh là 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 là. D'accord. On vous avait rien vu, vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. Tout va toujours très bien. Hop, on va se garer vite fait juste ici. Parfait. Alors, est-ce qu'il y aurait un endroit que je vous ai pas encore montré? Ah oui, ici du coup vous avez une petite station essence juste là. Pourquoi je recule? Pourquoi ma voiture recule? Ah oui, je vais aller vous montrer du coup en bas. En bas de la map. Allez, c'est parti. On va tourner du coup ici. Voilà. Toujours conduite au volant les amis avec un Ori. Et vraiment c'est un bon volant pour débuter.
Dites-moi aussi, les amis, dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous entendez bien la musique, si vous l'entendez pas, si c'est dérangeant, dites-moi tout. Ici, du coup, vous avez directement l'endroit pour les camions poubelles, enfin, pour les éboueurs. Voilà. C'est sympa, c'est juste ici. C'est assez sympa comme boulot. En vrai, pour du RP, c'est assez sympa. Mais c'est long. Je vous le dis, c'est assez long parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des poubelles qui réapparaissent. Et quand on porte une poubelle, c'est très lent. Le camion poubelle est très lent aussi. Ici, du coup, vous avez la DOT, en gros. Department of Transportation. Du coup, la DOT. Ici, du coup, vous avez le power plant. Enfin, ah, maintenant, il y en a deux. Dépôt de gaz. Ah, c'est sympa. J'avais même pas vu qu'ils avaient rajouté ça. Ici, vous avez du coup toujours le poste de police. Ici, un petit magasin factice. Ok, j'ai cru qu'il y avait un flic qui me poursuivait. Ici, toujours l'endroit du coup de la poste. Post office. Et la ferme. La ferme, vraiment magnifique. Elle a totalement changé. Regardez, je vais vous montrer vite fait. Regardez, elle est super belle maintenant. Maintenant, il y a plein de fenêtres et tout dans l'enclos. Je sais pas s'ils ont ajouté un véhicule ou si c'est, il y a toujours que le tracteur. Start job, job obtenu. Voilà, il y a toujours le tracteur. Maintenant, c'est pas les mafias, c'est quitter le job. Non, pas stay on job. Oh là là, voilà, c'est bon. Bah voilà, du coup les amis, je pense qu'on a bientôt fait le tour. On va aller directement. Wow. Et ah oui, en plus, pour ceux qui se souviennent, ici c'est souvent l'endroit où je faisais des courses poursuites avec les criminels. Je me garais juste là. Pour ceux qui suivent mes vidéos IRLC, ils sauront. Hop, on va s'arrêter à la station essence juste là avec un prix exorbitant comme actuellement. Voilà, non, vous inquiétez pas, je ne vais pas cambrioler la TM, c'est juste pour faire ma magnifique outro. Et les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager la vidéo en masse, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez à vous abonner, surtout, comme ça on est de plus en plus et j'aime beaucoup. Je vais du coup essayer de vous faire une prochaine vidéo le plus rapidement possible. En tout cas, c'était Hydrolène, je vous dis à la prochaine les amis. Pensez à rejoindre mon serveur Discord, abonnez-vous. Allez, ciao ciao tout le monde.